Cheshire Cat et moi est le fruit d'une révélation, celle qu'a eue Nolwenn Leroy et qui lui a donné l'envie d'utiliser ses cordes vocales comme elle ne l'avait pas fait jusqu'à présent. Malicieuse et charnelle, elle laisse sa voix jouer sur l'air, frotter par instants, subir des cassures, connaître des attaques ou des finales imparfaites. Et c'est cela qui est délicieux. Le titre de l'album, Le Cheshire Cat et moi, est une référence au chat d'Alice au Pays des Merveilles. En fait, le Cheshire Cat, c'est un personnage extrait d'un roman de Lewis Carroll, du roman de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Mais j'insiste souvent que cet album, il est vraiment autour de la symbolique du Cheshire Cat, ce que le Cheshire Cat symbolise, et pas autour d'Alice au Pays des Merveilles, tout simplement. C'est vraiment cette fascination-répulsion que j'ai pour ce chat depuis tant d'années. Et finalement, lorsque j'étais petite, je voyais pas tout ce qu'il y avait derrière ce roman. Et finalement, c'est tout sauf un roman pour enfants. Et ce Cheshire Cat m'a inspiré toute cette folie, en fait. Nolwenn Leroy, pleine de cette folie douce qui nous atteint tous à un moment donné. C'est un véritable bonheur de la retrouver aujourd'hui. Aussi beau soit le chemin, était-il le meilleur, je le saurais. Balance, faut-il pas un reflet ou un vrai cas?